La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Le sujet, c'est que ce sont les énergies fossiles qui réchauffent le climat et qu'il faut sortir des énergies fossiles. Tu m'as envoyé des messages en mode on part tranquille, même lieu, point d'interrogation, même lieu, genre que le point de. Voilà, tu dis bah non, tu tournes à dire ça. À Total Énergie, on est dans le tour de magie et on est en train de nous déployer. Donc les équipes sont comme vous le comme vous pouvez voir, les équipes sont en place. C'est bon. Hop. C'est bon, vas-y. Donc ça c'est. Allez-y, désolé. Donc ça se déploie, ça se déploie. Vous restez, vous restez. Donc on est en live sur toutes les plateformes. On enlève sur toutes les plateformes. On en live sur toutes les plateformes. Donc, les gens essayent de nous arrêter. Bon, alors c'est là où il faut des conditions physiques assez bonnes. Donc, le déploiement est en cours. Donc, il y a déjà la police sur site. Bon, après, il faut savoir que c'est des sites où il y avait déjà des graines. Donc, là, il y a un déploiement. Donc, le blocage se met en place. Allez, on ne s'accroche pas. On y va. Se met en place. Hop.
Ok. Donc alors, Total a touché le fond et continue de creuser. Je sais pas du bas sur les bras et les jambes. Ça va être sympa. Ça va bien. Alors, n'hésitez pas à partager le live. C'est super important. Il y a quelques personnes ici, là. Ici. Mais c'est bon. Donc, alors. Bon, c'est adapté. Alors, pourquoi agir contre Total ? Parce que depuis les années 1970, l'entreprise pétrolière connaît l'ampleur de la catastrophe climatique en cours et à venir. Et nous sommes là, ici, pour tous ensemble, pour désobéir et dire stop. Nous sommes là, prêts à prendre des risques juridiques lourds pour bloquer ce site. Parce que malgré son changement récent de nom et d'image respectueuse que la firme cherche à promouvoir au travers de ses campagnes publicitaires massives avec Total Energy, Total Energy demeure une industrie pétrolière qui refuse de transformer son activité malgré la gravité des transformations du réchauffement climatique et refuse de transformer. Vous venez d'arriver sur site ? Pardon ? Vous venez d'arriver sur site ? Je suis désigné comme contact police. Oui. Si vous avez besoin de communiquer avec les activistes, je vous offre un point de communication unique. D'accord. Vous êtes magnifique ! Extinction ! Réveillons ! Extinction ! Réveillons ! Excusez-moi de... J'ai un peu soufflé. Extinction! Réveillon! 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 Monsieur, on vous a demandé de reculer, s'il vous plaît, c'est une opération de police en cours. S'il vous plaît, allez-y, vous allez là-bas. Oui, si jamais ça se passe mal. Non, ça ne va pas se passer mal, monsieur. C'est normal, on a le droit, on a le droit d'informer, le public a le droit d'être informé. Et moi, je vous dis, pour l'instant, il y a une distance de sécurité à respecter, vous prenez près de vos collègues là-bas. Allez-y. Vous n'avez pas compris, là, l'histoire. Vous n'avez pas compris, l'histoire, effectivement. Bougez, allez, bougez. C'est le rôle de la police d'être violent. Mais effectivement, bougez. L'activiste est traîné là-bas. Sur place, c'est pas important de filmer. C'est important. Monsieur, vous partez là-bas. Important. S'il vous plaît. Monsieur. Je filme, mais excusez-moi, je filme. Je vous embête pas. Reculez, s'il vous plaît. Je vous laisse. Reculez, s'il vous plaît, monsieur. Reculez. Non, allez-y, vous allez filmer, mais derrière là-bas. Monsieur, je suis... Voilà. À partir d'ici, vous allez filmer. Je vous en prie. Voilà. Je vous laisse. Laissez-la maintenant, d'accord ? Je vous laisse agir. Je vous laisse agir. Comme vous pouvez voir, la police ne veut absolument pas qu'on filme. Bravo. Les gens qui parlent, effectivement, après, tu vois, il paraît être violent vers toi. Mais en fait, le premier truc, c'est de virer les caméras pour. Donc. Regarde-nous, 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 regarde-nous,
Donc les activistes chantent pour se motiver. Donc ici il pleut. Ici il pleut, tout le monde est sous la pluie. C'est il faut beaucoup de courage pour être là, beaucoup de courage pour affronter ses peurs et tout. Mais on n'a plus le choix en fait. Aujourd'hui on n'a plus le choix. On a manifesté dans les rues, on a tout essayé. Aujourd'hui on est obligé d'agir directement. Donc en 2020, le pétrole, enfin il faut savoir qu'en 2020, le pétrole a produit 447 fois plus de pétrole que d'énergie renouvelable. 447 fois plus de pétrole que d'énergie renouvelable. Donc la transition énergétique, on n'y est pas du tout. Jusqu'en 2030, 80% de ces investissements sont destinés aux énergies fossiles. En 2020, le pétrole a... Alors je répète. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu en bas. Donc selon ses propres prévisions, donc les prévisions de Total Energy, les énergies renouvelables. Ah ben non, mais. Donc là on. Est-ce que tout va bien? Ça va. Ça va. Oui, un peu. Un tout petit peu. Ouais. Ça fait. Ouais, c'est le couple. Là. Bah alors, les investissements de chez Total dans les énergies fossiles se concrétisent par des désastres écologiques et humains, comme le projet Tilanga. Moi, tu m'as appris, mais tu vas bien éviter de finir sur les réseaux, mais t'inquiète. Bah, en fait, moi, de toute façon, je ne coupe rien, moi. Donc, nous, on est là assis, on prend des risques juridiques dans d'autres pays, là où les projets de Total ont lieu. Ils perdent leur terre, et voire pire. Quoi. Et donc nous, on est là aussi en soutien à toutes ces populations-là. Est-ce que il y a des personnes qui veulent parler, prendre la parole, raconter leur comment ça va émotionnellement? Moi, ça va bien, mais je l'ai fait se mouiller. Ah ouais, c'est vrai que sous la pluie. Comme beaucoup. Mais content d'être là. Ouais. Tout le monde avait fait se mouiller? Oui. Il y a personne qui avait prévu. Non. Ah, j'ai vu l'OPJ, j'ai mouillé. Hein. Est-ce qu'on bloque le parking ou pas? Là, si on se détache. On laisse sortir. Hein. Donc, tout se passe bien. Total énergie ment, Total énergie tue. Totalement, Total tue. Extinction! Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion!
Si vous utilisez la force, vous nous cassez les bras. Non, mais vous passez au-dessus de la tête. Total criminel climatique et social. Total criminel. Dividende en pleine pandémie. En pleine inflation. Tu vas bien? Ouais. J'ai perdu mes chansons. Est-ce que tu... Non, je la connais pas par cœur. Et en plus, je trouve que au niveau mélodie, elle est compliquée, donc j'ai du mal à. Ah non. Ben non, je n'ai pas bien les paroles. J'aurais pas des Donc merci de nous suivre en live. 138 personnes nous suivent en direct pour le moment. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler un petit peu, expliquer pourquoi on est là? Ils sont pas. Alors. Bonjour, on est des militants d'Extinction Rébellion, vous devez le savoir là maintenant. Et on est venu ici pour perdre l'activité de Total. Total qui est une entreprise ultra mortifère qui actuellement est toujours en Russie malgré la situation qu'on connaît tous et qui continue de fournir de l'argent au système de Poutine. Et on est aussi là pour dénoncer le projet ICOP tenu par Total qui va détruire et abîmer encore plus la biodiversité et créer des situations dramatiques au niveau social en Ouganda. On est là parce qu'on est en colère, parce que c'est inadmissible, parce qu'on peut fonctionner autrement et parce que collectivement, on ne fait pas le choix de le faire, particulièrement les personnes qui ont le plus la possibilité de choisir, c'est-à-dire les dirigeants et des personnes qui dirigent Total. Donc, on est là pour essayer de les perturber et surtout pour faire savoir qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a plein de gens qui sont derrière nous et que collectivement, on veut fonctionner autrement et qu'on le peut. Il y a plein de possibilités qui existent et on fait donc le choix de ne pas aller vers cette transition urgemment nécessaire. Et une dernière chose, on tient aussi à montrer à quel point le système policier est toujours déployé pour protéger les intérêts privés. Ils sont en train de protéger une entreprise privée et ils sont pas en train de nous protéger contre l'urgence et les dégâts causés par cette entreprise. Merci. Donc, on bloque un site de Total Energy. Donc, alors malheureusement, il y avait déjà quelques policiers sur place. Je pense qu'ils sont toujours là, ils sont toujours sur place à protéger ce type de site. Donc, visiblement, le déploiement n'a pas été complètement bien réalisé. Le déploiement devait être fait sur les grilles. Mais au final, on bloque quand même. On bloque quand même pas mal. Et pour le moment, en fait, on a un petit temps de répit. Alors effectivement, c'est pas totalement comme prévu. Mais on réussit quand même. Là, il y a des. Là, ils discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, entre eux et puis avec. Les chefs, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, restez en live avec nous. Quand il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons et tout s'il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Si je tire, il va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains.
Et je me dis de temps en temps que je me suis battue pour rien. Il est toujours si grand, si lourd. La force vint à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé. Un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses dansant autour des vieux pieds noirs où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Je sais, vous ne pouvez pas applaudir, mais je lisais hier, je sais. Ouais, ouais. Un peu d'agressivité, hein, quand même. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser leur main. On est tombé. Moi, je suis fier de faire. Excusez-moi, petit problème technique. J'ai toujours donc nos activistes sont là en train de bloquer un des sites de Total Energy. Et est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ouais. Un excellent endroit pour un pique-nique, on recommande. On recommande l'intersection de cette intersection pour aller pique-niquer. Pour aller pique-niquer. Ouais, voilà. le vendredi à midi. Son petit bain aussi, là, accessoirement. Et bloquer un maximum. Voilà, c'est ça. On prend le soleil, ça fait du bien. Magnifique soleil. Ouais, le spot est. Regarde ce paysage. Le soleil du Nord. Le soleil du Nord, c'est ça, le soleil du Nord. Le fameux. À la lumière, est-ce que tout le monde va bien? Ah, la lumière est belle. La lumière est belle. Ouais. Ça méritait de se péter. Moi, je trouve que le paysage est magnifique. Est-ce que tu n'es pas trop trempé? Ah non, écoute, parce qu'en dessous de la combinaison, je suis en imperméable. Donc, je peux rester là pendant des heures. Et tu vas rester là pendant des heures? Ah bah. Non. Super. Les gens peuvent nous rejoindre aussi. Ouais, vous pouvez nous rejoindre. Alors, on est où? Alors, il y a plein de moyens de nous rejoindre. Alors, soit si vous êtes proche de Dunkerque, bah, vous pouvez nous trouver. On est à l'établissement des flammes de Total Energy. Bon, il faudrait Total Pollution. Mais, et sinon, bah, vous pouvez rejoindre avec 5 sur Rebellion. Et on a besoin de monde. Il y a toujours besoin de monde. Donc, dans votre ville, où que vous soyez en France ou à l'international, vous pouvez rejoindre avec 5 sur Rebellion. Allez sur notre site internet et venez nous rencontrer. Il y a plein de rencontres qui sont organisées. Et venez aux actions. Ça, c'était une action publique. Par exemple, n'importe qui pouvait venir. Et voilà, on a besoin de monde. Plus on sera nombreux et nombreuses, plus on pourra faire des choses ambitieuses. Et le but à terme, c'est bien sûr, c'est de bloquer Total Energy tous les jours. Parce que tous les jours, ils détruisent un peu plus la planète. Et tous les jours, ils font un peu plus de greenwashing. Et donc, rejoignez-nous! Il y a pour tout le monde, il n'y a pas forcément. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Il n'y a pas forcément que ce. En fait, là, si vous regardez autour, il y a des bloqueuses, il y en a beaucoup, mais il y a aussi plein de gens qui prennent des photos, qui sont là pour s'assurer que tout va bien, pour apporter de l'eau. Et il y a aussi plein de gens derrière qui ont préparé le matériel, qui ont préparé les banderoles, qui ont pensé l'action. Il y a des personnes qui gèrent les réseaux sociaux en ce moment même, qui sont
voilà, y a plein de gens derrière, derrière quoi. Et pour une personne qui bloque, il faut souvent 2-3 personnes derrière. Donc, on a besoin de monde. Et voilà. Donc, voilà, j'espère que le message est passé. Rejoignez-nous. Ça fait toujours du bien, en fait, par rapport à la co-anxiété, de se mettre en action. Alors, comme l'indique ce panneau, il y a eu 259 jours sans accident ayant causé des arrêts de travail chez Total. Bravo ! Il manque certaines petites choses à cette liste sur ce que cause Total, mais il n'y a pas eu d'accident de travail ayant causé un arrêt depuis 259 jours sur le site. Du fait des projets de Total, que ce soit au Pakistan récemment, avec toutes les grosses inondations qui sont liées en partie au réchauffement climatique. Donc, en fait, il y a eu de très nombreux morts grâce à Total. Total tue des gens de manière indirecte. Et il y a beaucoup de militants écologistes pour une justice climatique dans d'autres pays qui sont harcelés, voire qui sont tués. On fait ça aussi pour eux, parce que bien sûr, on craint pas la même chose en France, et heureusement, même s'il y a une répression policière de plus en plus grande. Mais il faut pas oublier que voilà, ce genre d'entreprise aussi, au final, tue des gens de manière indirecte. Et ça, faut pas l'oublier. Et va en tuer de plus en plus avec l'impact du réchauffement climatique et de la destruction des écosystèmes. J'ai entendu parler de ICOP. Oui, tout à fait. Rien qu'en ce moment, en Ouganda et en Tanzanie, il y a des militants africains qui ont été enfermés le mois dernier. Donc ICOP, c'est la East African Crude Oil Pipeline. Donc c'est une énorme pipeline de pétrole qui traverse la Tanzanie et l'Ouganda pour rejoindre la mer. Et c'est un projet qui, en ce moment, a déporté plus de 100 000 personnes en fait, qui ont été déplacées pour les travaux de Total. Et qui est également un très grand danger pour la biodiversité là-bas. Donc, même si les constructions n'ont pas encore totalement commencé, les dégâts sur la biodiversité sont déjà clairs. On peut voir, en fait, vous pouvez suivre sur Instagram la vue du ciel du projet ICOP, et on voit déjà la tragédie que c'est pour l'environnement. Et je vais laisser Nous sommes Extinction Rébellion. On n'est pas ici par plaisir. Nous sommes ici parce qu'il y a urgence. Nous sommes devant une des raffineries de Total Energy, un des plus grands pollueurs mondiaux. Nous sommes ici dans un contexte de crise énergétique, de crise financière, de crise climatique. Menteur, profiteur, pollueur, Total Energy est accusé de partout. Menteur, car depuis les années 70, ce fleuron de l'industrie française est au courant des dangers du réchauffement climatique et a tout fait pour cacher au monde ses informations afin de préserver ses intérêts financiers. Alors, Total Energy savait et nous a entraînés vers un monde invivable en nous faisant croire que les énergies fossiles étaient l'avenir. Profiteurs, car alors que le monde est plongé dans une crise économique, que les inégalités entre les riches et les plus pauvres ne font que se creuser, que la guerre fait rage en Europe, leurs profits ne cessent d'augmenter. Fin septembre, Total a annoncé le versement de 2,62 milliards de dividendes exceptionnels à ses actionnaires pendant que les salariés faisaient grève pour leur salaire. Profiteurs de l'injustice et de la précarité de leurs employés, donc, alors que l'inflation dure et que de nombreux Français et Françaises peinent à faire le plein et à finir les fins de mois. Profiteurs également de la hausse des prix de l'énergie avec des bénéfices qui ont doublé en un an pour eux. Profiteurs de l'État, enfin, puisque Total Energy a réussi l'exploit de ne pas payer d'impôts en France en 2019, 2020 et 2021. Bravo ! Pollueurs ! Car malgré leur changement de nom et leur greenwashing, Total Energy est notamment impliquée dans 24 bombes carbone qui participent au réchauffement de plus de 2 degrés. Un forage gazier dans l'Arctique russe, d'immenses réserves pétrolières aux Émirats arabes unis, des projets au Mozambique et bien sûr le ACOP.
gigantesque oléoduc, pardon, de pétrole brut en plein cœur de l'Afrique. Ces projets déplacent des populations, mettent en danger la faune et la flore, nous rapprochent dangereusement d'une véritable catastrophe climatique. Ces activités écocidaires sont effectuées avec la bénédiction de l'État français. Début octobre, des manifestants et manifestantes pacifiques contre le projet EOACOP se sont fait matraquer par la police ougandaise, pays qui préfère que sa population souffre pour des intérêts financiers. Le mépris de la firme Total Energy pour l'humanité et le vivant est intolérable. En mai, des actionnaires de Total Energy ont lancé aux activistes « Crève et fais pas chier », pendant qu'eux votent pour un avenir couleur pétrole et à l'odeur de gaz. Je sais pas si vous sentez, mais ça pue. Quoi. Ouais ouais le GIEC, les experts, les scientifiques sont formels. La montée des eaux menace 500 millions à 1 milliard de personnes. 8 à 80 millions de personnes souffriront de la faim d'ici 2050. Et il y aura 243 millions de réfugiés climatiques dans la même période. Que font les gouvernements ? À part hocher la tête devant des chiffres alarmants? Que font les gros pollueurs? À part prendre leur jet privé pour un Paris-Londres? Que font leurs financeurs? Ils continuent leur projet écocidaire dans la plus totale impunité. Les scientifiques alertent. Les gouvernements font la sourde oreille. Et les industriels continuent leur activité. Business. Les pandémies, les guerres, les morts, la précarité, rien n'arrête ces géants dans leur course effrénée vers le profit. Le fameux or noir, mais également le gaz, l'eau, la terre, le bois des forêts, Total Energy et ses amis, les lobbies et les politiques nous font croire que nos ressources sont inépuisables, que la technologie nous sauvera, que la croissance verte existe. En vérité, ces promesses ne servent qu'à alimenter les profits des plus riches et de leurs entreprises au détriment des droits humains et de la nature. Cet imaginaire suicidaire n'est plus possible. L'État français a déjà été condamné pour inaction climatique. Total Energy est assigné en justice de partout. Nous ne voulons plus de leur monde injuste. Il est temps que les pollueurs payent et que les États qui les soutiennent soient contraints de changer de trajectoire. Il y a urgence, nous le répétons. Vivre dans un monde à plus de 2 degrés, ce sont des incendies pires qu'en Gironde ou en Bretagne cet été. Ce sont des inondations pires qu'en Allemagne ou au Pakistan. Ce sont des sécheresses qui vont durer plus longtemps. Des rendements agricoles en baisse. Ce sont des tempêtes plus meurtrières. Des accès à l'eau de plus en plus compliqués. Ce sont des guerres de ressources. Nous voulons une véritable justice climatique et sociale. Nous voulons une justice énergétique pour permettre à tous et à toutes une vie digne et un accès aux besoins fondamentaux. Nous voulons stopper les projets écocidaires comme ceux que Total Energy entreprend partout dans le monde. Nous voulons que les États prennent leurs responsabilités et protègent les populations et les personnes les plus vulnérables face au dérèglement climatique. Alors, nous demandons l'arrêt complet des financements en faveur des énergies fossiles. Nous exigeons l'interdiction des nouveaux projets pétrogaziers et des bombes carbone pour pouvoir atteindre les objectifs des accords de Paris qu'on a signé. La fin des passe-droits pour les méga-pollueurs sur les impôts, la taxation des super-profits et que des mesures contraignantes leur soient imposées pour une meilleure égalité. La rénovation énergétique des habitations et des bâtiments, à commencer par les bâtiments, les logements des plus précaires. La gratuité des transports en commun pour permettre à chaque citoyen et citoyenne de limiter l'utilisation de la voiture particulière. La fin complète des publicités pour les énergies fossiles. Le gaz en étant exempté aujourd'hui jusqu'en juillet 2023 et le mécénat, le parrainage, la communication institutionnelle et les publicités financières sur les produits énergétiques fossiles restent, eux, autorisés.
la fin des jets privés, la taxation du kérosène pour l'aviation, ainsi que l'interdiction des vols intérieurs lorsqu'une alternative en train d'une durée inférieure à 2h30 existe, comme préconisé par la proposition 145 de la Convention citoyenne pour le climat. Écoutons donc les citoyens. Nous sommes Extinction Rébellion. Par plaisir, nous le répétons, nous sommes là parce qu'il y a urgence. Extinction Rébellion. Extinction Rébellion. Extinction Rébellion. Face à l'extinction Rébellion. Il va y avoir une autre prise de parole. Bonjour. Bonjour. Je suis Christophe Bonneuil. Ça marche là. Je suis directeur de recherche au CNRS et j'étais invité. Je croyais que c'était pour un séminaire, mais on dirait que c'est une action d'Extinction Rébellion. Merci beaucoup aux activistes d'Extinction Rébellion. Donc j'ai été invité parce que je suis historien et j'ai travaillé sur ce que savait Total du réchauffement climatique depuis les années 60. Alors, vous savez, vous connaissez déjà le projet IACOP et 100 000 paysans expulsés. Vous connaissez déjà l'importance des réserves en Arctique, dont dépend beaucoup la valeur actionnariale de Total, et le fait que Total a participé à fournir le kérosène pour les avions qui ont bombardé l'Ukraine. Vous connaissez les super profits. Vous connaissez la super augmentation de salaire de Patrick Pouyanné. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui a l'air comme ça un peu plus ancien, mais qui reflète aussi des pratiques de cette entreprise. Il faut savoir que Patrick Pouyanné, lorsqu'il était jeune, était conseiller technique au cabinet d'Édouard Balladur autour de 1994-95, qu'à ce titre-là, il a participé à la première COP en 1995 à Berlin, dans la délégation française, et que donc il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant du problème du réchauffement climatique depuis 1995, donc bien avant qu'il prenne la direction de l'entreprise Total. Donc on a quelqu'un qui est au courant depuis 30 ans de la gravité du problème climatique, qui a rencontré des scientifiques, qui a fait partie de la délégation française. Et donc dans mes recherches, en fait ma recherche a commencé à 3 ans et demi, lorsqu'un collègue américain m'a envoyé une photo d'un article dans la revue interne, enfin qui était aussi ouvert à l'extérieur de Total, qui s'appelait Total Information. Et il y a un article en 1971 qui alerte sur le réchauffement climatique à partir des travaux de l'époque. Il y a des travaux du MIT, il y a un rapport à la Maison Blanche en 1965 sur l'état de l'environnement avec un chapitre déjà sur le réchauffement climatique. Il y a 2 recommandations à la conférence de Stockholm en 1972, le premier sommet de la Terre. Sur les 109 recommandations qui sortent de Stockholm, il y a déjà 2 recommandations qui touchent le danger de réchauffement climatique. Donc, ça fait déjà une 50aine d'années que les alertes sont présentes. Et donc, Total, dans sa revue interne, en 71, donne la parole à un géographe spécialiste du climat qui explique que la concentration de carbone est en train d'augmenter dans l'atmosphère et qu'au rythme actuel, on va vers 1 degré et demi de plus au début du 21e siècle, qui dit que les pôles risquent de fondre, que les mers risquent de monter et qui se termine en disant « les conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer ». Donc, on a dans la revue de Total en 71 déjà cette première alerte. Ensuite, il y a le choc pétrolier, il n'y a plus grand-chose. On a l'impression que ça sort un petit peu des radars. Mais au début des années 80, faut savoir que les grandes compagnies pétrolières comme Shell, BP et surtout Exxon étaient parfaitement au courant du problème climatique, faisaient des recherches. Exxon, dans les années 70, a emmené un tanker, avait un tanker pour faire des mesures de concentration de carbone dans l'océan et dans l'air, et avait un département de recherche interne sur ces questions-là qui confirmait l'alerte climatique.
ils ont des courbes dans une note interne de 1978 qui donne un réchauffement de plus 3 degrés d'ici 2030. Et donc, ils sont parfaitement au courant de la gravité du problème. Et dans une conférence interne aux pétroliers en 1984, Exxon met au courant toute une série d'autres compagnies pétrolières, dont Elf et Total, du fait que le réchauffement climatique est un problème. Et dans le rapport environnement de Elf, donc qui va fusionner avec Total dans les années 90, dans un rapport environnement de 1985, hein, je peux vous lire le passage, rapport environnement qui a été discuté dans le comité exécutif de mars 86, donc tous les grands responsables sont au courant. Je vous cite l'extrait de ce rapport. Les problèmes liés aux interactions de divers polluants dans la haute atmosphère vont devenir préoccupants au cours des prochaines années. Le cas de l'ozone est déjà connu, mais l'accumulation de CO2 et de CH4 dans l'atmosphère et l'effet de serre qui en résulte vont inévitablement modifier notre environnement. J'aime bien le « inévitablement ». Il n'y a pas d'incertitude pour eux à l'époque. Hein. On est en 85. Tous les modèles sont unanimes à prédire un réchauffement de la Terre, mais l'amplitude du phénomène reste encore indéterminée. Les premières réactions ont été bien entendu de taxer les énergies fossiles. Il est donc évident que l'industrie pétrolière devra une nouvelle fois se préparer à se défendre. Donc, en 85, on est parfaitement conscient que le climat va se réchauffer. Il n'y a pas d'incertitude. On considère que c'est inévitable. Et à quoi pense l'industrie pétrolière à ce moment-là? À se défendre contre les régulations qui pourraient apparaître, contre des objectifs de réduction des émissions qui sont proposés déjà dans une conférence de l'UNEP des Nations Unies à Toronto en 88, il y a un objectif qui est affiché en sortie de cette conférence de moins 20% entre 1985. Il y a des projets d'écotaxe. Tout ça, c'est posé sur la table en 87, 88, 89 dans des conférences internationales. Et que va faire l'industrie pétrolière, dont Elf et Total à cette époque-là? Ils vont tout faire pour que ces engagements, ces écotaxes et ces engagements chiffrés de réduction des gaz à effet de serre ne soient pas dans la convention climat qui va être adoptée à Rio en 92. Donc, et pour obtenir ça, ils ne vont pas hésiter à participer à des discours totalement climato-négationnistes. Je vais vous donner un petit exemple de ça. Et j'ai presque terminé. Un petit exemple de ça dans la revue Total en 1992. Il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines parmi lesquelles la combustion d'énergie fossile. On est 2 ans après le premier rapport du GIEC. Le premier rapport du GIEC en 90 disait qu'il était certain que dans les prochaines décennies, on prendrait plus 0,3 degrés par décennie de réchauffement global. Donc, ils avaient prévu, en gros, entre 1990 et 2020, plus 1 degré 0,9, ce qui est à peu près ce qu'on a eu. Et ils le prédisaient avec certitude. Donc là, on est dans une affirmation climato-négationniste qui va bien au-delà du doute légitime, du doute scientifique légitime. On est vraiment dans un déni du consensus scientifique qui est déjà celui du premier rapport du GIEC. Bilan des opérations, effectivement, la convention cadre sur le climat de Rio ne comprend aucun engagement chiffré. L'écotaxe, qui était un projet européen entre 89 et 93, va être complètement torpillé par du lobbying, notamment des entreprises pétrolières. Et on se retrouve aujourd'hui, 40 ans plus tard, on a pris 40 ans de retard par rapport à des engagements et des bifurcations qui auraient pu être prises à ce moment-là. On avait déjà assez de connaissances, mais il y a eu un rapport de force. Il y a eu du lobbying, il y a eu du mensonge qui nous ont fait perdre ces 40 années. Et il faut savoir que la moitié des émissions de gaz à effet de serre depuis les débuts de la révolution industrielle ont été faites après 1992. Hein, c'est-à-dire que c'est la moitié des émissions mondiales depuis 2 siècles qui ont été causées dans l'après-1992, à un moment où on en savait assez pour déjà changer de trajectoire. Donc, il y a une responsabilité très importante des dirigeants qui ont effectivement bloqué
les premières décisions climatiques qui auraient pu être prises à ce moment-là. Merci beaucoup. Je tenais à vous suggérer une idée. En fait, nous répondons à l'appel de Total en étant présents ici. Car comme l'indique ce panneau, nous sommes tous acteurs de notre sécurité. Nous venons d'entrer dans la 6e extinction de masse et une vigilance permanente de tous est exigée. Nous répondons donc à l'appel de Total en nous présentant aujourd'hui et nous sommes prêts à amorcer la transition qui est nécessaire, indispensable, vitale. On peut voir sur le parking des personnes bloquées. Donc les grilles de ce site sont fermées. Et on est en train de bloquer l'accès au site Total Energy. Donc, un établissement des Flandres, comme c'est indiqué ici. Place à la station ! La rébellion ! Donc, si vous pensez aussi que malheureusement, il n'y a plus le choix, il faut agir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Totalement, totalement irresponsable. Totalement, totalement irresponsable. Totalement, totalement irresponsable. Totalement, totalement irresponsable. Abat Total, soutien aux grévistes et soutien aux grévistes. Tu vas vivre un sale quart d'heure. Pôleur, tu vas vivre un sale quart d'heure. Pôleur, tu vas vivre un sale quart d'heure. Préparez vos guibolles, bientôt il n'y aura plus de pétrole. Préparez vos guibolles, bientôt il n'y aura plus de pétrole. Préparez vos guibolles, bientôt il n'y aura plus de pétrole. Préparez vos guibolles, bientôt il n'y aura plus de pétrole. Préparez vos guibolles, bientôt il n'y aura plus de pétrole. Préparez. Moi, je tenais quand même à remercier Dame Nature pour avoir arrêté de pleuvoir. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment dur. À 5 minutes avant l'action, franchement, on sentait bien intense. Mais vous avez quand même le cul mouillé. Ah non, c'est pas grave. Oui. C'est pas mignon, ça, c'est ensemble.
C'est la cordeau qui nous a dit de faire ça. Oui, 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 c'est vrai, j'ai ouais, ça va. Prenez les liens. Elle est dans la vie. Non. Et ben voilà. On s'est rencontrés il y a 10 minutes. Voilà. Plus que 500 millions rapprochés. Des liens. Sacré des gars. Adopte un rebelle. C'est pas ouf comme si tu rencontres. Qu'est-ce qui fait que à vendredi, j'imagine que vous travaillez, non, pas peut-être. Bah, qu'est-ce qui fait qu'à vendredi on vient là, se fout sur un site comme ça et bloqué. C'est quoi le truc qui déclenche? Beaucoup de choses. Bah, oui, envie de faire quelque chose en fait, l'impression qu'on est dans l'urgence, qu'il n'y a plus de choix, qu'il ne se passe rien. Et là, au moins, on agit. Et en plus, on agit tous et toutes ensemble. Et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut pour alerter sur ce qui est en train de se passer. On dit en fermeture, ouais. Je pense que cet été, on a connu les incendies en France. On a eu des inondations au Pakistan. Il y a le climat qui se réchauffe, les scientifiques qui l'assurent. Oui, le climat se réchauffe. Oui, c'est d'origine humaine. Et en fait, il y a des responsables. Et là, on est là pour les nommer. Et les responsables, ils sont là. C'est Total Energy. C'est un des plus gros groupes pollueurs au monde. En plus de ça, c'est un groupe qui profite de la guerre en Ukraine pour faire du business avec le régime de Poutine. Et puis qui maltraite ses salariés, qui refuse des augmentations de salaire avec l'inflation et qui s'en met plein les poches. Il y a eu plus de 2 milliards de dividendes exceptionnels redistribués aux actionnaires cette année, alors que c'est une activité qui devrait être punie, qui devrait être accompagnée vers sa sortie. Et les alternatives existent. On peut mettre en place la gratuité des transports en commun, on peut taxer le kérosène et interdire les vols intérieurs. Pour limiter notre utilisation d'énergie fossile, c'est un besoin vital. On a besoin aujourd'hui d'arrêter d'extraire les énergies fossiles. La revendication d'Extinction Rebellion, c'est la neutralité carbone en 2025. On ne pourra pas atteindre cette neutralité carbone si on continue d'extraire de l'énergie fossile des sous-sols. Ouais, puis il faut préparer la société à une sobriété choisie. Au lieu de subir. Tout à fait. On tient à rappeler aussi qu'on est en soutien des employés, que ce n'est pas contre les employés de Total qu'on est en train de faire cette action, mais contre les dirigeants de Total. C'est très important pour nous. On n'est pas juste des écolos déconnectés. Tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait comme travail. Moi, je suis infirmière, je travaille à l'hôpital. Un système qui est en train de s'effondrer, le système de santé en France, je connais. Et concrètement, on est là pour dire que ce qui est en train de se passer, c'est inadmissible. On soutient les employés et les grévistes et qu'on peut former et réorienter les employés de ce secteur vers des secteurs plus sains et plus durables. Donc là, il y a urgence et on n'est pas juste là parce que ça nous fait marrer. On est là parce que les gens sont déjà en train de mourir et les gens vont mourir en masse. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous, que ça soit Extinction Rebellion, rejoignez n'importe quel collectif. Il y a forcément quelque chose qui existe près de chez vous. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à agir. Et de la façon dont vous le souhaitez, que ce soit de manière non violente en vous asseyant, que ce soit autrement, avec d'autres stratégies, faites quelque chose, rejoignez-nous, rejoignez quelque chose. Merci. Tu avais suivi un petit peu les grèves des raffineurs de chez Total? Oui, de loin, comme beaucoup de gens. Et je les ai surtout soutenus. Ils ont crié, ils ont hurlé, ils se sont mis collectivement ensemble pour exiger le minimum. Ils n'ont pas obtenu suffisamment. C'est inadmissible. Ils ont le droit d'exiger davantage d'ailleurs. Le travail qu'ils fournissent, même si c'est dans un secteur extrêmement toxique, c'est un travail qui est pour le commun. Total ne devrait pas être, devrait pas exister, mais ne devrait surtout pas être privé. Ça devrait être de l'ordre du public et ça devrait être orienté vers des énergies beaucoup plus durables. Donc, il y a urgence. Ouais, et puis quand l'État réquisitionne des salariés en grève, on se dit, mais en fait, même la grève, on ne peut pas… Il n'y a plus le droit de grève en France, visiblement. Il n'y a plus le droit de grève.
C'est de l'oppression, de la répression. Et avec auprès d'une entreprise privée. Moi, je travaille à l'hôpital, donc les réquisitions dans le public sur certains secteurs, ça peut se comprendre. Dans le privé, c'est gravissime. Merci beaucoup. Ouais, c'est un peu Line test. Écrire les aliments, c'est quoi ton truc? Moteur, vénement. On va faire une petite pause live et puis on va venir tout à l'heure ensemble si se passe en tout cas le live va reprendre si la police intervient. Donc je pense qu'on a déjà pas mal parlé, on vous a exposé tous nos arguments de pourquoi on est là, de pourquoi c'est nécessaire d'être là. Et bah merci de nous avoir regardé et puis on termine sur je ne reconnais plus personne en fait d'amis. Et si je...